on y va, on y va, on y va. Très bien, très bien, très bien. On va sur le chasseur. On va sur le chasseur. Ok. Moi, je déteste chasseur, donc je joue vraiment zéro. Pourquoi tu détestes? Parce qu'on voit que ça, en fait. Moi, je déteste quand un deck est surjoué et on voit que ça. Du coup, ah, je toi, tu miam-miam pas la méta, comme dirait Narcus. Quoi Narcus, il en fait, quand il y a un truc qui est méta, et que lui, en fait, il déteste les gens qui miam-miam la méta. Ah, mais le truc, c'est que chasseur, à un moment, c'était genre vraiment plus de 30% de la méta. Ah ouais. Tout le monde jouait ça, du coup moi ça me rend fou et je joue pas un deck qui est surjoué. J'étais ça. Ouais, frappe latérale. Je pense que tu vas peut-être même tout enlever parce qu'il te faut vraiment tirer là. Là tu viens taper le paladin et paladin c'est probablement de la paire et c'est un mauvais match-up. Ouais. Du coup on part pas sur une bonne nouvelle. Je garde ça non? Je pense que c'est vraiment chaud si t'as pas de truc, mais je pense que tu dois le garder, ça c'est certainement trop broken si t'as une taupe ou autre. Je pense que tu dois le keep quand même. Allez, allez. Oliash notre Narcus, je déteste quand ça se passe. Oh oui! Mais on va être honnête, s'il a déjà le deck, c'est con de devoir le jouer autre chose en soi. Je suis d'accord. T'es des rangs combien toi? C'est vrai? Tu joues quoi? Ah, paladin aggro, ça c'est le vrai, tu vois. Paladin aggro, ça défonce le chasseur pour le coup, c'est intérêt. Ouais, mais en plus, ouais. Franchement, je joue paladin aggro, c'est pareil devant. Quoi? Ça va, je suis pas horrible. Ça va. Oh non, mais ça commence déjà. Ok. Taupe. Ouais. Ok. Deuxième round, ça. Oliash égale Narcus. Moi je prends ça pour un compliment. Hein. Je dois? Non. Ah merde. Chier. Oh là là. Oh, c'est la cata d'entrée de jeu là. Mais c'est trop chiant! Il faudrait choper de lâcher les chiens. C'est trop chiant! Attends. Vas-y. Oh, c'est bien ça! 3 points de vie, c'est ce qu'il faut, ouais. Vas-y, go. T'as envie d'avoir un body qui tient bien, donc la taupe ce sera solide. Vas-y, go. Ok. Bon, y'a plus que 4 points de vie, mais. Paladin, c'est trop cancer. Non. En fait, le truc, c'est que Paladin, ça compte chasseur. Heureusement qu'il y a des decks comme le Paladin en face pour éviter sinon, que sinon, y'aurait que des chasseurs. Ouais. Il faut des decks pour battre le chasseur mid qui est vraiment tir or, ladder. En ce moment, le deck est sur jouer, c'est beaucoup trop fort. T'es pas si mais mal là, honnêtement. Il me casse la gueule. T'es pas si mal que ça avec ouais, regarde quelles sont tes options là. Alors mes options, elles sont multiples. Ouais. Soit je mets ça, soit je mets ça, ça, ça. Mm-hmm. Ou peut-être dans l'autre ordre. Bah c'est tout en fait. Non, t'as mieux je pense. Tu penses que j'ai mieux? Alors est-ce que je mets ça? Mais non parce qu'au final il meurt même pas sur le trade. C'est compagnon, non? Ou alors frappe latérale. Ouais, frappe latérale c'est bien. Sur lui? Ouais, tout à fait. Boum. Et okay, je nice. Tape lui. Et j'ai une 3-3 sur le board et c'est win. Là l'idée c'est que au moins t'as moins de dégâts en face et tu permets à ta taupe de rester la AA et de pouvoir potentiellement trade la 2A, donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est trop chiant. C'est trop chiant le truc qui a un mode 2. Ah mais moi c'est pour ça que je te dis, vu qu'il y a beaucoup d'hunters, jouer un deck comme ça c'est très bien. Et pourquoi je mettrais pas juste un secret dans mon deck qui met 2 à tout le monde? Bah tu pourrais taker, après il va certainement jouer autour. Bah c'est du rang 13 hein, c'est pas. Après normalement t'as le lâcher échec qui va être très très bon hein. T'as lâcher échec censé être très bon dans le matchup. Je pistage du coup? Si tu fais pistage tu pourras pas faire tranche gueule et yen, mais est-ce qu'on va vraiment jouer la yen, c'est un peu la question. Le fait est que là il est en train de vider sa main donc il peut peut-être avoir une faveur. Donc vider ta main c'est peut-être aussi très intéressant pour que sa faveur soit moins forte. Ouais. Et dans ce cas là tu ferais peut-être yen et voire même tranche gueule sur la yen pour essayer de la protéger. Genre avec camouflage ou des HP. Ou des points de vie. Donc tu boosterais peut-être la yen. Du coup je trade? Oui. Dans tous les cas tu traderas peu importe. Je fais yen, ça. Camouflage ou points de vie ce serait bien. Ok. Point ouais, de vie c'est peut-être plus intéressant. Ouais, je pense que point de vie c'est mieux, non? Ouais. Allez. Bien. Ok, c'est win là. T'es pas mal, tu reviens dans la game. Ce qui serait vraiment important sur le prochain tour de faire pistage, lâcher les chiens. Vu que t'as la yen en place, tu seras vraiment bien. Non, mais c'est pas mal. Si t'arrives à choper le lâcher les chiens. Oh, il est débile! Tu te mets vraiment bien. Il faut que t'arrives à choper le lâcher les chiens et là tu fais le comeback. T'as deux pistages en plus. Ok, je pistage du coup? Ouais. Oh! Oh là là! Enfin! Est-ce qu'on va vouloir rejouer le pistage numéro 2? Est-ce que tu peux déjà le jouer? Je pense que déjà le jouer, oui. Pff, tu pourrais déjà le rejouer dans tous les cas, je pense. Est-ce qu'il faut que je fasse un trade avant? Parce que t'as la mana, comme ça tu peux déjà peut-être aller chercher le Rexxar.
tu feras rien du mana restant. Compagnon, non? D'après, j'ai ça. Double compagnon, ou alors tu prends Prestepat pour amener des cleans sur les petits serviteurs. Ah. Faut faire vite, hein. Ouais. Vas-y, compagnon. Vas-y, compagnon, vas-y, go. Tu vas trade, attends, 2, 4, 5, non, t'as pas la place, trade d'abord la 3-2 d'Awit 8. Ok. Ouais, maintenant tu peux. Et tu vas rentrer, logiquement. Les 5, non? Non. Je mets lui dedans, peut-être? Ouais, voilà, tout à fait. Comme ça. Et tu vas trade. Et je nettoie le reste. Ouais, ça, ça. Ouais, ça c'est directement. Voilà, ça, très bien. Boum. Alors, y'a quoi maintenant? Enfin! Alors, l'idée de presque pas de compagnon, ça dépend de ce que tu peux choper au prochain tour. Par exemple, si c'est un Rhino ou autre, on peut plus ou moins préférer telle ou telle carte. Par exemple, par rapport à une Hot, voilà, presque pas, ce serait plus très sympa. Ouais. Ok. J'avoue que c'était win là, si j'avais pris le bon. Ouais. C'est pour ça que j'aurais préféré probablement un peu Prestepat, mais j'hésitais vu qu'on en a déjà vu une passer le tour avant. Si t'as double feu, t'as létal. Le souci c'est que c'est vraiment chiant là. En vrai, je mets compagnon, non? Ouais, parce que tu peux quand même avoir du taunt, donc ça reste. Oui, en vrai, dans le pire des cas, ouais. Dans le pire des cas, j'ai des taunts donc. Le pire c'est que t'as double l'élogue. Oh! Allez! Oh! Allez! Non! Non! Aïe 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 aïe. Je fais quoi? A ton avis. Bah, je dégage quand même. Hein. Tu double trade. Allez! Allez! Allez, allez. Est-ce qu'il peut te tuer ici? Normalement non. Par contre il peut peut-être avoir de quoi tempo. Probablement pas, il a le fongite. Mais ça ne suffira pas probablement. Donc tu as quand même un. Ah ouais, ouais. Là c'est le tilt du côté de l'adversaire, ouais. Mais Prestepat aurait certainement été un peu mieux. Donc souvent voilà, la hyène qui peut être vraiment game breaker, t'as réussi à la poser et à la protéger. Et derrière bah, il fallait lâcher les chiens. Let's go. Bien joué. Let's go. Bien joué. C'est vrai que là elle a bien cover, hein. La 1-1. Là, oh, bouclier. Ah oui, ok, ouais. Ah, si j'avais eu ces petits Prestepats. Ah, on a tenté le prêtre, mais Chapa a pas voulu, je comprends. Du coup, je. En gros, là, c'est comme si Narcus, il devait coacher avec. Il devait coacher sur quoi? Qu'est-ce qu'il aime vraiment pas au jungler Narcus? Ah. Rengar. Ouais, bah. Lissine. C'est comme s'il devait coacher Rengar ou Lissine. Enfin, c'est la même chose, là, tu vois. Ah, le Lissine de Narcus. Quelle horreur. Ouais, bah moi c'est ça, en gros c'est ça. Genre, je joue zéro chasseur actuellement. À la base, je te joue le chasseur, hein. Ouais. Mais depuis que tout le monde joue ça, m'en fout. Vas-y, je dégage. T'es contre un mage. Alors, déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça peut être comme style de mage actuellement? Dans ces rois là, c'est probablement le mage hyper tempo. Donc, avec le gros pouvoir qui fait 2 points de dégâts. T'es pas trop mal, normalement, tu vas pouvoir réussir à prendre le board. Mais c'est très important d'avoir beaucoup d'early, de quoi gérer. Tu voudrais garder quoi? Mais ça doit pas poser beaucoup, ça, non? Ça peut quand même aider, ce tir à l'arc, ça peut un petit peu aider. Bah je dégage ça et je garde l'appel, non? Je pense qu'il est un peu chaud, il faut peut-être un peu plus d'early avant tout. Si c'est un aggro, il vaut mieux virer l'appel et essayer de trouver directement des réponses, prendre le board. Ok, allez, trouvons des réponses. Le tir à l'arc c'est plus pour aider à gérer la E2 ou d'autres petits trades en plus à faire. Frappe c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de serviteurs contre 3 points de vie. Genre le chat, le Kirintor, tout ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je piste? Pas spécialement parce que tu sais pas encore ce qu'il joue. Enfin, déjà il a le hero power, donc ce sera plutôt une version finale plutôt contrôle peut-être. Donc je cire à l'arc. Ouais, okay. Gozo. Mais la plupart des cartes du zoo il les a pas, même les gars. Leroy et tout ça il les a pas. Il y a plein de cartes qu'il a pas à Chap. Fin du tour. Ouais. Allez. Là actuellement, ça c'est le seul deck que Chap a qui est vraiment un très bon deck méta. Ouais. Dans le reste, il n'y a pas vraiment d'autres bons decks méta. Donc on pourrait voir à faire d'autres decks ou autres. Oula. Okay. Ah, c'est quand même un deck contrôle, certainement le mage contrôle avec KD7, je pense. Pas de carte coûtant 2 cristaux. Tu connais? Je connaissais pas ouais, cette carte, mais c'est pas mal. Tout son deck a plus d'un. Oh, c'est bah, c'est balancé ça. Ouais. Bah, je lui mets ça non? Bah, on peut jouer Zo sans Leroy, c'est sûr, les gars, mais il y aura un deck qui est quand même beaucoup plus faible. Je tape ça et j'ai hero power. Tu peux envisager du pistage, peut-être trouver un compagnon ou autre pour prochain tour. Déjà avancé quand même. Ouais, vas-y. Compagnon, Rexar, peut-être l'appel du coup, vu qu'il a l'air de jouer une version un peu plus contrôle. Moi ça me plaît bien de prendre l'appel ici. Vas-y, va pour l'appel. Hop. Je pense qu'il joue la version contrôle et du coup il faut vraiment qu'on récupère des ressources. Prendre compagnon était sympa parce qu'on pouvait jouer directement et qu'on allait trade là-dedans. Mais il faut qu'on avance vite vers le Rexar, etc. pour gagner le match-up. Ah, forcément il avait rien là. L'appel. Ha. Alors, appel. Ouais. Comme ça on sait que déjà pas mal de deck. 5, 1,
Ok, c'est pas mal. Je trade. Vas-y, ouais, go. Ok. Bon, moi j'ai des cartes à poser, quoi. Je me frappe latéral au prochain tour. Parfait. Ah, ça c'est excellent. Le problème, c'est qu'il t'a fait killer cette comme T2, donc ça va être assez gênant par la suite. Mais là, t'as une main correcte. Il faudra récupérer, à mon avis, assez vite, etc. Il va aller. Il va avoir des très late game. Ouais, je frappe au champ. La frappe, c'est très bien. Parfait, échappe. C'est très bien. T'as, je m'améliore à vue d'œil. Tu commences à attraper le truc. Tu commences à l'avoir. C'est vrai que j'avais beaucoup de plays. Alors, disponibles. Tu peux regarder éventuellement via Hearthstone Replay le deck qui peut jouer. Donc, tu vas là-dessus. Tu cliques sur le mage. Ouais, clique là-dessus. Et en dessous, tu peux entrer les cartes qu'il a jouées. Pour dire, bah voilà, qu'est-ce que ah, ça peut ouais. être. Ah ouais, là, tu écris. Il a joué Acolyte. Acolyte of Pain. Hop. Voilà, tu peux remettre autre chose. Là, on n'aura pas cette info. On sait qu'il a joué quoi. Il joue Forge Clé. Qu'il est 7, mais après le truc est en. Ah, qui. Le truc est. Ouais. Hop. Hop. Arcane Key Smith. Il a joué quoi d'autre? Bah, il a joué que ça pour le moment. Regarde, il remonte. Et tu vois, c'est du Big Spell Mage, donc c'est une espèce de mage contrôle avec Jaina. Ouais. Et c'est juste il a eu toutes les cartes un peu early dans tous les cas ici, tu vois. Ah ouais, donc il a eu de la chance, quoi, encore une fois. Ouais, il a vraiment eu beaucoup de chance. Mais t'as pas une mauvaise main là. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je peux mettre le Rhino. Après, ça risque d'être Antithéo Rune, ce sera un peu dommage. Est-ce que je mets une petite taupe? Pour checker Antithéo Rune, c'est pas mal dans l'idée. Vas-y. Ouais, ça me plaît. Ok, donc c'est pas ça, donc ce serait plutôt. Bah, ça peut être contre-sort, barrière, mana bind. Je mets ça pour le cover, non? Tu peux essayer de trouver quelque chose pour aller avec, il te fera le repos. À mon avis, tu garderas la hyène pour plus tard. 3 PV? Ouais, vas-y. Vas-y. Yep. Okay. Et je vais y rep. C'est le duplicate, là, le portrait, mais c'est pas grave là-dessus. Et tu fais ton repos, oui. Allez. Ok. Let's go. Très bien. Tu peux remettre le chat? On est là, on vous voit. On peut vous lire. Let's go, let's go. Oh, c'est pas mal là. Ok. Oh, mais c'est ah, c'est trop chiant le truc qui fait plus 2. Enfin, plus 1 à tout le deck. Il va se trade. Je peux mettre le. Attends. Attends, alors. Je peux lui mettre un ordre de tuer. Ouais. Ou alors. Ou alors, en fait, je peux juste le tège avec ce que j'ai sur le board. Ouais, mais tu ferais quoi du coup du reste du tour? Je peux mettre ça. Là, il va arriver sur cette tour, il a météor normalement, donc ah. Les serviteurs, ils pourront les clean normalement assez facilement. Que fais-je donc? Moi, j'aime bien que tu poses déjà Rexxar pour créer des bêtes. Et du coup, ce serait Rexxar et 3 dedans. Vu qu'il joue beaucoup de sorts de gestion, l'idée c'est de créer des grosses bêtes qu'il aura du mal à gérer. D'accord. Non, enfin. Ah oui, c'est vrai que. Ah ok, ouais, j'avais oublié que ça faisait ça. En vrai, tu pourrais, mais dans tous les cas, il la pingera au prochain tour, donc autant garder ta charge d'armes. Et hop. Ok. Il y aura de l'arène avec Chap. Je sais pas si on aura le temps, ça dépend de ce que lui veut faire. Il est déjà 22h23. Tu pourras faire quoi avant? Faut juste que je fasse une solo queue avant 1h du matin, donc. Ok. Donc je pense que je stopperai pour 23h45. Ok. Alors, tyran des merci, arcanes. Merci Doysan, merci à toi. Merci à toi Doysan. Tu peux le gérer de plusieurs façons. Frénésie, je te le dis déjà. Si tu peux la garder soit en synergie avec tous des bois, pour faire un gros truc vénère, tu veux récupérer tous les loups et tu le gardes avec Rhino, ça peut faire quasiment un one shot. Ouais. Soit tu la fais avec un Rhino. Moi j'aime bien te faire des loups des bois qui sont 4-4, tu les renvoies tous dans le deck, tu les chopes tous les 3. Et derrière, bah chaque loup des bois va être 4-4. Et va buffer les autres. Les uns les autres et le Rhino pareil va être boosté, ça fait énormément de dégâts. Ok. Sinon, ça je peux du mettre. Du coup, moi je pense que tu commences par gérer une bête probablement ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Entre tous les serviteurs alliés, ah merde. Oui, mais après il va souvent faire des clean de board, donc tu peux l'envisager parce qu'il y aura des timing clean de board. Donc, tu peux envisager. Moi je vais avoir une 10-10 là. Ouais, mais ça va être lourd. Il faut aussi penser que tu dois la jouer, donc il vaut mieux prendre un petit truc à côté, comme ça ça coûte 7. Ok. Et là tu peux lâcher l'ordre de tuer dedans. Et à la limite tu poses même la hyène. Ouais, ça me paraît. Non, tu vas non, la garder. Il va baisser la hyène, tu vas essayer de la garder. Elle sera compliquée à jouer honnêtement la hyène. Ok. Ouais, surtout que ouais il met pas de. Il y a pas d'histoire de lâcher des chiens quoi dans. Ok. Là par exemple tu vas pouvoir jouer le gros body maintenant si tu veux en 8-9. Ah bah c'est parfait en plus. Voilà, la gérer assez fort quoi. Parce qu'en plus il y aura pas le cri de guerre, pourquoi pas sur les. Ouais, le problème c'est que tu génères pas de bêtes, mais soit. Ok, vas-y.
ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle meure. Donc, on aurait pu peut-être envisager quand même de générer une bête. Mais c'est pas trop un problème. Bon, après, je pourrais mettre un. Oui, je pourrais mettre un gros rhino, quoi. Mettre des rhinos dans ton deck, c'est très très bon dans tous les cas. Ouais. Osef, Yorizat et Lo vont partir tous à 0 LP Master soon. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de cartes comme ça, style Météor, Métamorphose. Donc, chaque fois que tu poseras un gros serviteur, ce sera un peu relou. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est des bêtes qui sont camouflées, comme ça, il peut pas les gérer. Ah ouais. Ils sont cachés. Et alors, qu'est-ce que je fais là? Donc, si tu fais le Rhino plus la Frénésie, t'as combien? La 5 du coup. Ouais, et t'as le tir là, donc tu pourrais très bien le clear comme ça et ne pas générer de bêtes, mais au moins, t'envoies 3 Rhinos dans ton deck. Ça me semble pas mal, en tous les cas. Allez. Hop. Hop, hop. Comme ça, tu auras des Vrino vraiment vénères et ça te permet tout le temps d'avoir des charges pour l'agresser. Il veut pas laisser de charges sur le board. Parce qu'une fois que tu laisses des charges, tu peux vraiment rentrer beaucoup de dégâts. Et en vrai, là, il a pas envie de mettre un gros spell. Pourquoi sur un pas truc qui a 3 points de vie. Parce qu'il pouvait pas. T'as dit quoi? Il a pas envie de mettre un gros spell sur un truc qui a 3 points de vie. Ouais, c'est ça. Ah. Par contre, il va m'invoquer son truc. Là. Ouais, le problème, c'est qu'il va avoir full vol de vie, ça va être chiant toute la game là. Est-ce que. Bah. Ah mais je peux pas mettre un loup des bois parce que du coup il va m'en reprendre. Ouais ouais, il faut que t'évites d'avoir un serviteur à poids de vif à tour. Ok. Tu dois vraiment essayer de jouer autour de ça, ouais, tout le temps. Je peux mettre le cire à l'arc mais je serai gelé. Oui mais tu pourrais l'envisager. Dans tous les cas, tu vas souvent essayer de commencer par créer une bête. Ouais. Chaque fois que oui, tu peux tout temps, créer ouais. Une bête, t'essayes. Si possible, une bête camouflée, des trucs relous à gérer quoi. D'accord. Et si possible, le mieux c'est un rhino camouflé, là c'est vraiment cool. Parce qu'il peut pas le gérer, il est tout le temps camouflé et toutes tes bêtes ont et en ouais, charge. Et ouais, toutes mes bêtes en charge. Ok. Ouais. Bon, il veut pas passer son tour là. Alors. Ah, y'a plein de gens qui essaient de te snipe apparemment. Y'a quoi? Des gens qui essaient de te snipe. Ah. Alors attends, du coup. Est-ce que je mettrais même pas ça? Tu pourrais l'envisager, mais commence déjà par créer une bête. Buveuse, ça rend des dégâts, c'est ok. Oh, y'a pas eu grand chose. Moi je préfère peut-être quand même prendre le Golaka hein, en termes de stats, on va jouer les stats. Le quoi? Le Golaka là tout à gauche. Ah. Comme ça c'était une bête sympa avec. Ça peut être un peu plus facile. Camouflage. Ouais, c'est assez énervé comme bête. Et en plus, ça pourrait peut-être te permettre de prendre le trade sur la 3-6 et de garder le Rhino. Ok, donc je fais ça. Je peux faire les deux, hein. Ouais, mais je pense que tu veux peut-être garder le tranche gold pour faire beaucoup de dégâts dans un tour. Ce serait genre 5, ça en même temps, ça en même temps. Tu peux faire beaucoup de dégâts dans coup si tu veux. Okay, hop, je le tèche ça. Ah, tu. Non! Tu aurais pu taper avec la 6-5 avant. Je joue un peu vite, c'est pas grave. Avec la 6-5, je peux pas taper non? Si, bah tu pouvais vu qu'elle avait charge grâce au Rhino. Ah, mais, mais moi j'étais en mode, je veux garder le camouflage. Ouais, mais là au final ça sert peut-être pas à grand chose. Ouais, c'est pas un camouflage trop intéressant. L'idée c'est de garder un camouflage si c'est intéressant. Là c'est un camouflage qui apporte pas grand chose. Ouais, d'accord. La thèse c'est que tu peux rentrer 6 directement. Ok, ok. Huh. Il veut jouer vite. Alors. Ah, c'est un peu chiant quand même. Bon, je peux mettre deux trucs comme ça. Tu pourras tester avec ça d'avoir toxicité pour tuer la 8-8. On va commencer par une bête encore. Je peux lui filer des bananes. T'as quelque chose d'intéressant parce que tu vas le faire au overdraw. Les bananes vont le faire au overdraw. Ok. Et bah du coup tu pourras mettre le Navocorn. Ouais ça. Parce qu'en gros il va être 4-4 et tu pourras le combo avec ça. Regarde, tu pourras faire le Rhino, le Mucla Fury des Vents plus le loup. Ce oh il va prendre ça trop cher. Regarde, ça fera 5 plus 6, ça fait 12, ça fait 12, 17. Plus le loup des bois, 18, 19, 20, 21. T'as 21 points de dégâts que tu pourras entrer au prochain tour. Ok, c'est là, pas mal. Là, tu vas mettre Preste Patte. Du coup, je vais mettre double Preste Patte. Non, A, tu vas essayer de lui donner toxicité. Ah oui, exact. Ouais. Allez. Oh, allez, attends. Tu pourras envisager de mettre la hyène. Ok. Je mets la hyène. C'est un peu faiblard, mais là quand même, je pense. Et tu vas rentrer 6 face. Et est-ce qu'on rentre avec la tête? Vas-y, rentre 6. Tape un coup, ouais. Tape un coup. Boom. Ok. On va voir. C'est gagnable. Le choc de flamping. On va voir ce qu'il va nous faire. 61 sub des 5 cop. Aïe. Ça monte tellement vite. À mon avis, il va quand même faire le choc ping. On va voir ça. Mais là en termes de dégâts t'as énormément hein. Ok, donc là il va invoquer une 3-6. Là en termes de dégâts, regarde tu peux compter, t'as 5 plus un. Oh là là, on est tellement proche, on va peut-être l'éteindre le prochain tour. On peut envisager de tout rentrer là. Merci beaucoup à Arthur Rambo. Arthur Rambo. Regarde, en fait le Mucla il a Fury devant.
Ouais. Donc grâce à l'eau, tu vas pouvoir avoir la charge, rentrer 7 en plus, donc ça va, il va faire 14. Ouais. 14 plus le débois, 15, plus l'arme 16, plus le rhino, t'as 20. Tu peux lui mettre 20 dans la tête. Et te dire que t'as un deuxième rhino au prochain tour avec peut-être d'autres trucs pour le rentrer dans la tête. Donc Je fais quoi? Je ferai une bête encore là, du je coup? pense que tu t'envoies tout dans la tête là. Ok. Le rhino, le mucla et le loup Rhino, des bois. Mucla, loup. 21, j'ai mal compté? On va voir, 7, 14. Oui, j'ai compté, j'ai oublié. Oh, du rhino, effectivement. Et je tape. Ouais, tu tapes. Ouais. Après, il a vol de vie, hein. Mais Ouais, bon. ouais. Mais pour Il le est quand même moment, plus voilà. sûr là. Derrière, t'as un autre rhino, t'as le loup des bois, tu peux entrer vraiment beaucoup. C'est ça Oh attends, l'idée. je vais burn quoi là? Ah, l'ana. Donc, c'est très très bien. C'est une 4-4 qui invoque, c'est excellent. Ok, nickel. Pour Après, là, pas c'était en setup si ici, mais smart ce soit. call banane. Sur le meilleur timing en plus. Oh C'est pas merde. encore gagné parce qu'il peut, genre, il aurait pu très bien avoir l'Extraza ou autre ici. Mais l'idée c'est que s'il faisait l'Extraza, il pouvait pas gérer notre board. Tu vois l'idée? Ouais, Donc s'il remontait, oui. le pire ce serait genre Geddon ou genre de truc. Après, ils Il a vont geler un quoi. Météore, Mouton, ok. Là, il va me le Et il va geler. aller geler l'autre. Et là, je te laisse regarder ce que tu feras comme dégâts. Hein. Je te laisse faire. Ah merde, ça du coup, il va Il va survivre. faire un peu Après. plus de vol de vie. Ah ouais, ok. C'est vrai Donc qu'il y là, a il va ça. remonter à 10. Et là, tu vas regarder un peu ce que tu as comme dégâts. Alors, Je te là, laisse comme dégâts. gérer. J'ai quoi? Oh là là. Alors, j'ai 5. Ouais. 5. 6, 7, 8, 9. J'ai gagné. Tu fais quoi? Je Tu fais fais rhino? ça. Ouais. Ça. Ok. Ça. Ok, parfait. Et c'est oui. Ouais, très bien. Habilement joué. Bien joué. Le rhino, bien vénère, tu l'as boosté, Oh t'as là mis un de là. temps. Habilement joué. Le Le mucla létal. fruit d'avant était très décisif. Bien joué. Et nous sommes de retour Et avec c'est reparti. Chapeau, l'invincible. Toujours aucune défaite depuis le début de ce stream. Oh, Aucune aïe 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 défaite. aïe. Coaché par Rentre Europe. Hein. Ouais, forcément. Ça s'invente pas. Hein. On est reparti? On est reparti, vas-y, vas-y. Allez. Non, c'est vrai que vraiment, on faisait la métaphore. Hein. Chasseur, c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais ça me fait du bien aussi de, entre guillemets, jouer à travers Chap. Donc, c'est aussi du coaching pour moi. Tu fais ton quota de chasseur pour la Ouais, saison et puis ouais. après on n'en parle plus. Mais vraiment, je joue zéro chasseur hein, actuellement. Donc, ah. Oliach égale t'épouse. Et t'épouse, c'est. Non, t'épouse un peu. Comment dire? T'épouse, Je dégage c'est un bon ça. gars. Je pense. Dégage tout, peut-être non. Frappe latérale, c'est pas mal, mais je pense que tu vas quand même la dégager. Tu vas vraiment essayer de chercher le board, ouais. Allez. Allez. Allez, Tu veux Lubigan. vraiment chercher l'early game. Enlève-moi cette musique. On a une petite musique de WoW, mais c'est une musique d'ambiance, quoi. C'est ok. Elle est pas trop forte en plus. C'est correct là, non? C'est pas foufou, mais bon. Ouais, en fait, la main est moyenne, mais elle peut vite devenir bonne. Par exemple, si t'as une hyène, tu peux vite booster la hyène et qu'elle soit grosse. Ouais. Si t'as tranche gueule, ça peut vraiment bien synergiser avec. Ok. Donc ta main est un peu incomplète, mais ça peut vite snowball. Ouais, j'avoue, tu es venu chez Soari parce que j'en avais marre de devoir switch entre A1. Quoi? Quoi? Ah, J'ai ok, genre pas j'ai get. switché. Ok, c'était, en gros, le drama, c'est une raison pour venir ici. Bah oui. On peut le dire. Le drama, c'est. Non, mais le drama, c'est pas une raison. Le drama, c'était. C'est déjà une conséquence, Taupe. plutôt. Non, c'était totalement une raison. Ah, oui, d'accord. Non, vas-y, Top taupe. sinistre? Taupe. Non, parce que moi, en gros, j'ai pas de contrat. Donc, en gros, quand je voulais, si voilà quoi. Non, moi, ça, j'étais content de venir chez Solary parce que voilà, il y avait Chap que je connais très bien, qui est quelqu'un de super dans la vraie vie. Oh, je suis C'est vraiment, super. c'est une crème qu'on peut le dire. Bordel, je vais quoi? Je vais loup et je traite, non? Tu pourrais mettre loup et prestepatte ou alors le tranche-gueule. Quel est le mieux? Je pense que loup et prestepatte parce que de toute façon il a ça qui peut me trade. Ouais, derrière tu pourras envisager du coup de. Ouais, ça me va, j'aime bien. Ok, allez. Et derrière, comme ça, tu feras le tranche-gueule avec un TA et t'enchaîneras sur la frénésie. Ouais, j'aime bien. Allez hop, let's go. Let's go! C'est un très bon starter là. Ouais. Et derrière, on pourrait justement utiliser le tranche-gueule pour peut-être tuer un truc qui va pièce, genre le Krintor ou autre. Et utiliser la hop pour checker une entité ou une rune. Oh Ok. non. Et il va. Ah non! Aïe aïe aïe. Terrible! C'est incroyable! Mais c'est pas mal, C'est c'est pas mal. Il faut. révoltant! T'as un follow, tu vas le faire. Mais c'est révoltant, mais C'est statistiquement, révoltant, c'est impossible! On était proche du 0,2%, je pense. Putain, je fais quoi? Je mets. Ouais, Je crois que vas-y, vas-y. c'est. Tu as vu le play. Je valide. Ok. 3 PV? Ou alors ça, peut-être. Réfléchissons. Parce que les plantes, c'est pas des.
C'est pas des bêtes. C'est pas des bêtes, donc c'est chiant pour la frénésie. Ouais. Donc plutôt poids de vie, ouais. Et prochain tour, on veut faire frénésie sur Prest Pat, ça va sur la 1-4, ce sera ok quoi, sur relax. Sur la 1-4 ? À mon avis, bah oui. Ouais, ouais, il oui, va, oui, tu oui, vas oui. ping le load, je pense. On va voir. Ok. Ok, donc là il va me tèche ça. Ouais, du coup il aura rien sur le deck, sur le board. Ah si, quand même. Ok, ok. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, j'ai plus de cartes. Hein. Oula. Est-ce qu'il y a du coup un nouveau play là? À ton avis? Je pense que non. Ouais, je pense aussi que non. Comme ça, on pourra faire tranche gueule et hors de tuyau au prochain tour. Je face là, non? C'était une réelle raison de trade. Je pense pas, non, je pense pas les face. Allez. Il a pas de carte qui peut vraiment te contrer à 4-7 normalement. Je pense pas qu'il joue des poupées ou autre. Donc, non, c'est à lui d'essayer de la gérer. Ok. On met la menace. On met la pression. Ok. Il va pas faire grand chose à mon avis. Voilà. Ah, donc là il remplit le board. Oui. Il veut te menacer. Alors attends. Rexar pour tour 6, ça c'est bien. Ça sera très très bonne nouvelle. Je dégage ça, non? Avec quoi? Ah, je peux mettre un ordre de tuer en fait. Oui, par exemple. Tu vas faire quoi d'autre du tour? Je mets ça pour. Ouais, donc commence par ça. Allez! Voir ce que tu récupères. Allez! Oh, je serais presque d'avis à mettre ça. C'est pas con si tu ne sais pas ce qu'il joue. Mais là, il faut savoir qu'il joue pas spécialement de sort relou. Ok, bah moi en fait, je pars du principe que je ne savais pas ce qu'il jouait. Ouais, ouais, non, mais clairement. Mais moi, je te le dis, c'est une liste aggro, donc ça va pas jouer des spells chiants. Donc tu peux prendre Fury des Vents ou 3 attaques. Quel est le mieux d'après toi? Fury des Vents, non? Ouais. Ouais. Ok, du coup je horde de tuer ça. Oui. Et on est bien. Et je. Ouais. Voilà, je casse la gueule. Après, le danger c'est qu'il peut faire un gros hero power ou autre, mais c'est quand même peu probable. Parce que son hero power il peut le booster via d'autres cartes, mais c'est vraiment ouais. peu probable. Bah, il le monte à 6 au max quoi. Et après, il me trade. Oh, non. Ok, donc non, ça, non, même, non. même la sensible, tu. Dans ma tête. Oui. Nice. Et là, il a pas le kill pour moi. Il va. Ok. Mais c'est un crétin. Non, il pré-shot en fait pour déjà te l'endommager. Ah, ok. C'est un malin. Je vais alors, Rexar. Attends. Tu peux faire Rexar, mais envisage aussi autre option. Tu as l'appel. L'appel, qu'est-ce que ça pourrait te ramener? T'as les cartes. J'ai ma liste. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui serait intéressant? Trouver 3 de mana. J'ai des savanes. Ouais, mais trouver 3 de mana. Donc ça veut dire que trouver une savane pour après, mais sur ce tour-ci, tu aurais peut-être pas grand-chose. 3 de mana, j'ai rien en fait. T'as rien du tout. Ouais, Taria, 3 de mana, tourer la hyène, tourer. Par contre, tu pourrais avoir. Ouais. Je pourrais avoir des 1. Mais tu pourrais avoir un autre prestopat 4-4. Enfin, le Lex 4-4. Ah, ouais, c'est vrai. Ah. Donc, c'est peut-être mieux en termes de board. Je pense qu'en termes de board, c'est peut-être plus intéressant. Et vas-y. Comme ça, tu peux garder le hero pour être agressif. Je pense que ça aurait mieux. Ouais, c'est sur vrai. Lex. Parce que oh, tu peux poser 4-4. Alors, du coup, je fais 4-4 et je trade. Je pense que tu peux même poser la hyène. Non, go Lex et hero power, ouais. Tu trades avec la ruée, ouais, et tu trades avec celle-ci du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Vu que l'autre pas ouais, les face. Que, ouais. Okay. Ouais. Et tu mets tout la tête. Yes. Agressif. Non mais il apprend là, je sens qu'il step up, Chap. N'écoute pas, il y a quelques rageux là dans le chat. T'inquiète, je stream du League et of Legends. Tu sais pourquoi ils veulent te voir échouer? Parce que c'est des rageux. Ils ont échoué sur LoL. Ensuite ils ont été sur Stone, ils ont échoué. Ils ont été sur Fortnite. Et là maintenant ils sont sur Apex, ils pensent que. Eh non, en fait, toujours pas. Eh non. Vous avez gagné. Allez. Tour 6. Machine. C'est un stomp là en plus. Allez, là, no pas match. De défaite. La série de victoire. C'est ça qu'on veut voir. Let's go. On a un petit peu déraillé sur le début, mais c'est bon, on s'est remis sur le droit chemin. Let's go. C'est de la taquinerie. Oui. C'est une boutade. Super cancer. Écoute, il joue ce qu'il a, il n'a pas grand chose. J'ai pas grand chose, hein. On est low budget. Après, on jouera le beau jeu. Moi je suis quelqu'un de très simple. J'ai tapé point d'exclamation deck dans le chat et j'ai pris le premier deck qu'il y avait. Ah, il s'avère que c'est le deck cancer. Bon bah pas de chance hein. Unlucky. Oula. C'est pas mauvais ce qu'on a là. J'aime bien garder juste taupe je pense ici. Juste la taupe. J'aime bien aller chercher le tranche gueule, le compagnon, la hyène, bof. Mais ouais, juste la taupe. Allez. Parce que les prestopates avec la taupe ça te sert pas grand chose si t'as pas quelque chose d'un peu plus énervé derrière. Ah parfait, ça c'est ce que c'est tu veux. Pas voir, mal hein. Ça. Taupe tranche gueule, c'est le niveau. Alors. Chap, okay. À vous, elle vous carry off la Solaria HS à 100%, vous imaginez pas ça. À vous le. Ah on s'imaginait pas autant. À vous. Mais ça carry ouais. À vous.
Alors ça carry C'est très constant en fait les vues. Ouais. C'est très très constant. Et va pouvoir heal, tant pis. C'est vrai qu'on aurait pu envisager de pas la jouer, mais bon, tu. C'est pas trop un problème. T'aurais pu envisager de piller à cette tranche gold pour éviter qu'il pioche. Mais bon. Ah ouais, je. Faut être chiant, c'est la mode pour bouclier. Mais c'est pas trop grave, là tu vas aller chercher les dégâts et pouvoir le clean. Allez mon grand. Poison, allez mon grand. Plus 3. Aïe aïe aïe. Ah t'as un play intéressant par contre. T'as un play à faire ici. C'est quoi mon play? C'est ça non? Ou camouflage? Ah c'est camouflage pour le forcer à. Ouais c'est bien vu, à vrai dire je l'avais vu. Ouais genre. Non c'est pas vrai, je l'avais vu. Et tu le tapes pas, autrement elle est plus camouflée. Ouais là je laisse. Je laisse comme couper. Ça t'as peut-être la 3-2 qui pourra tuer la 3. On espère. On sait pas encore. On espère. Allez. Nous sommes 4940. Aïe aïe aïe. Moi, 60. Moi je m'étais dit si on arrive à 4000, genre c'est insane tu vois. Ouais, et là donc c'est. Là, je suis en mode bah ok. C'est très insane. On va pouvoir envisager grand appart quoi. Grand appart. On va déjà essayer de t'avoir en liste, ce sera déjà pas mal. <T'as> pas <fait. rire> Quoi je vais. On est d'accord, je fais ouais. Ordre de tuer yes. Et trade. Ouais. Okay. Alors là tu as une info en voyant son deck. Il a joué la claire et le goudron. Il joue après. Tu parles des droites. Il joue le trade, le prêtre que je jouais, non? Le prêtre. Oui, on va dire oui, mais la version au-dessus. Ah, la version riche. Du mec qui a les tunes. D'accord. C'est-à-dire qu'il va jouer plein de gros tunes, il va pouvoir les ressusciter. Ah, c'est relou. Et ça va être très chiant. Donc faut pas que ça dure trop non plus. Oh, il joue une variante apparemment, but pire, donc c'est peut-être pas exactement la même version. Il joue peut-être aussi une version un peu. Tiekar quoi. C'est chiant ça. Je peux pas utiliser la frénésie, non? Quoique. Tu peux l'envisager sur tranche gold. Parce que, en fait, quand tu fais frénésie, c'est bien de prendre un bon trade, mais si possible, c'est de faire un bon trade avec une carte qui est sympa à récupérer. Ouais. Et elle est vraiment bien à jouer en même temps qu'un Rhino ou autre. Ouais, parce que fait, bon, l'adaptation c'est un peu OP quoi. Ouais, tranche gold c'est fort, la taupe, ça fait une grosse taupe, c'est sympa. Mais bah, c'est surtout t'as des taupes, t'as des gros trucs à 1 quoi. Ouais. Genre que tu des bois, c'est bien aussi, mais ouais. Là tu peux envisager sur la. Sur tranche gold, la frénésie. Bon, en vrai, j'ai pas vraiment de meilleur truc. Enfin, je peux aussi à l'arc. Ouais, moi j'aime bien de protéger le tranche gueule. J'aime bien. Allez. Parce qu'il faut réussir à le tuer aussi pour lui. C'est pas toujours évident. Du coup, on dégage ça et ça. Ok, tour d'après, je peux mettre la savane. Le prêtre ou le baraki, oui. Savane, ouais, c'est une bonne option. Attention, tu veux faire gaffe dans le match-up à tout ce qui est cryptichic au tour 7. Tu vois ce que c'est le cryptichic? C'est quoi? C'est ce qui renvoie tout ce qui est dans sur le board dans ton deck. Oh, même si ça vite. Donc c'est un peu chiant ça. Là je peux ça et ça pour pouvoir le trade. Ou alors oui, mais en soi tu préfères garder le loup des bois pour après pour mettre le burst final qu'on a fait tout à l'heure, tu vois. Je peux faire ça. Ouais, ça ouais. Ça. Ok, ça me va. C'est un petit peu chiant s'il a l'hystérie, mais tu peux le faire. L'hystérie, tu ne sais pas non plus ce que c'est. Non. En gros, c'est les serviteurs ils se tapent entre eux. Ah oui, si, je l'ai déjà vu. Ok. Mais bon, on va dire, on le tente, s'il a pas tant mieux, s'il a, bah tant pis, on enchaînera sur Savane. Mais s'il l'a pas, t'es vraiment bien. Et on sait que là, c'est le tour avant Cryptichic, donc autant tenter maintenant. Ok. Et comme ça, s'il fait ça et que tu poses une Savane, il voudra pas Cryptichic dessus, quoi. Ok, il joue même une version dragon, ouais. Ah, il joue une liste un peu bizarre. Hein. Attends, il va mettre le taunt dessus, du coup, non? Non, il peut pas mettre de taunt dessus, il va. Hymne Diva, s'entend. Ah, il joue vraiment un deck bizarre. Difficile à lire son jeu. Ah mais il joue, je sais ce qu'il joue les gars. Il joue un prêtre spiteful, je pense. Donc le prêtre spiteful, c'est un prêtre qui ne joue aucun sort sauf libérer l'ambre et contrôle mental. Ah oui, c'est des trucs de game, non? Il joue quasiment aucun spell en gros. Dans l'idée, il joue quasiment pas de spell. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je peux mettre Savane. Ouais. Je veux trade ça dans tous les cas. Oui, je pense que tu prends quand même le trade et le reste de la tête. On prend quand même ce petit trade là parce qu'il est vraiment je mets cool. Savane. Ouais, ouais. Là, en fait, vu ce qu'il a joué, on prend l'info. J'estime que ça va presque pas être full. Même avec l'arme, tu peux taper, je pense. Ok. Parce qu'on va essayer de le tuer au prochain tour. Et si effectivement il joue pas le Cryptichic, en gros, il a pas de réelle réponse. Alors, il peut avoir un play OP. S'il a l'autre dragon, ce serait taper la sacquit dans la savane et faire le drake du tour 4 en clean. Ok. Mais s'il l'avait eu, il l'aurait joué le tour d'avant normalement. Donc il l'a pas. Le brise pénombre, je sais pas si tu vois ce que c'est. Le quoi? Le brise pénombre. C'est un dragon 3-3 pour 4. 3-3 qui afflige. 3 points de dégâts en AO. A tous? A tous. Si t'as un dragon dans la main, y'a pas une connerie comme ça, non? Oui, tout à okay. Fait. Mais s'il l'avait eu, il aurait fait le tour d'avant parce que sur les deux, c'était vraiment cool. Ouais, ok. Donc on se dit qu'il l'a pas. Vince a perdu 2-0 vs Dennis qui joue prêtre combo lol. C'est vrai? Felkane? Ah, je sais pas, ok. Il est en jeu. Ah, c'est chaud.
Ah, il joue quand même Crypt Psychic. Ok. Ah, dans le texte, c'est un peu chiant du coup. On espérait qu'il le joue pas parce qu'on avait vu en cours aucun sort, mais au final, il le joue quand même. Oh là là, mais je suis béni! Ok, est-ce qu'on peut pas envisager même pièce Hero Power avec la savane? Ouais, bah de toute façon, la pièce faut l'utiliser au bout d'un moment. Le truc, c'est que du coup, on le met à 13, on commence à avoir pas mal de dégâts. Si on chope un tranche gueule et on envoie dans le deck, ça fait beaucoup de dégâts. Ça veut dire éventuellement 12. Ouais, vas-y, fais pièce Hero Power. Sur certains top decks, on peut probablement le gagner. Et je tape. Garde la charge d'armes pour okay. Tuer un tourne, ça pourrait être intéressant. Ok. Ok, malheureusement, Vince a perdu. 4-1, bon. Mais il est toujours dans la course, effectivement. Et Felkane, t'en es où? 1-0 pour Felkane. Monstrueux. Très très bon. Ok, bon, en vrai, j'ai un peu eu de la chance sur mon. Oh putain, mais. Ah d'ailleurs, j'ai pas eu des infos. Est-ce que. Où est-ce qu'il en est, Maverick? Excuse-moi, j'arrive. Comment parce ça que... se fait que j'ai 26 cartes dans mon deck? C'est 30 cartes de base. Oui, mais tu as fait la frénésie. Ah oui, ok. Tu as fait la frénésie, c'est vrai. Voilà, il joue quand même la ventrée, j'en parlais. Il joue contre le mental, mais il joue à Cryptichic. Normalement, il joue pas Cryptichic dans cette liste-là, je pense pas, mais lui, il joue à Cryptichic. Et nous, on s'était dit qu'il devait peut-être pas le jouer. C'est pas cool ça. C'est pas super super cool là. Compte tes dégâts. J'ai 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attends, je recompte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, j'ai gagné la partie. Oui. Alors, vraiment très très important quand vous jouez. Et même moi, des fois, genre, il y a encore deux jours, j'ai fait un Miss Létale. Et je l'ai vu, mais juste trop tard. Comptez vos putains de dégâts. À chaque tour, j'avoue que là, j'avoue que et là, tu comptes aussi les potentiels dégâts de l'adversaire. On est en train de skyrocket là. Ça m'arrivait dans une vidéo et d'ailleurs j'étais honnête, j'aurais pu dire je recommence la vidéo, tu vois. Personne n'avait vu, personne n'était là, tu vois. Mais je l'ai quand même mise en mode. Allez voilà. Allez voilà, ouais, vous avez vu. Même le top 3 fait des erreurs. Ouais. Même le top 3 Europe fait des erreurs. C'est ça, le top 3 européen, effectivement. La crème de la crème. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a deux mecs qui sont plus forts que lui. Ouais. encore tout à l'heure, j'étais le top 2, donc il y avait qu'un mec. Il y avait qu'un seul mec. Bon, mais... entre-temps, il a perdu un peu de level. Mais voilà, peut-être je vais remonter. Quoi. Top 2, non, j'ai perdu une game. Mais on va remonter après, top 1. Alors, un autre chasseur. Prends notre dieu. Je dégage tout, là. Oui, j'ai fait M2 mais dans la vidéo, mais il faut pas le dire. Ça. Je dégage tout, on est d'accord? Oui. Oui. Ok. Allez. Apparemment, certains disent que garder limite même savane en bas de départ c'est bien. Ça me paraît quand même un peu tricky. Mais voilà, surtout qu'on a deux savanes, mais pourquoi pas. Bon, j'ai ma taupe. Vas-y, go. C'est déjà un bon starter. Mais j'ai pas le. Comment, le truc gueule. Ça s'appelle comment? Ah, il a la taupe aussi. Allez. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoute. Hein. Alors je sais pas si un monde doit pas taper parfois quand même dans la O3, notamment sur la Toxie, tu vois, comme il avait fait tout à l'heure sur tranche gueule. C'est peut-être rien mieux parfois de taper dans la taupe ici. Ah tu veux dire Ouais, ouais. Ouais. Bon de toute façon en vrai après c'est tranche gueule, c'est chiant mais je pense que c'est peut-être rien mieux quand même. Bon ça va. De le faire. Ça va, il n'a pas de play. Œil pour œil, dent pour dent. Ok. Je fais appel, oui, on est d'accord. Yes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a vraiment un très monté 4 du coup avec ça. On avait rien à jouer et là on va se retrouver avec Prestepat, tout des bois. Ok, c'est pas mal. Allez, allez. Tu fais une petite arène avec Chap après. Je pense pas qu'on aura le temps après s'il veut éventuellement. Mais il veut jouer dans une heure, on n'aura pas le temps. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, je ferai de l'arène avec Qatar la semaine prochaine. Ok. Et moi j'en ferai peut-être une en solo après, on verra. On verra si je joue. Ouais, on joue quand même la 2 avant. Non, non. Mais j'ai un ordre dessus à la limite. Ouais. Et à mon avis, ce que tu vas faire, c'est bien vu. Parce qu'on pourrait tenter un toxi, mais ça passe pas, c'est très très chiant. Là, on a plusieurs options. On pourrait tenter le compagnon et avoir un feu, mais c'est très greedy, c'est une chance sur 3. Ouais. Tu as Prestepat comme t'as dit. J'ai Prestepat ordre de tuer, je ouais. pense. Ouais. L'autre option, c'est tranche gueule, parce que t'as plus 3 attaques qui peut faire le travail. Ouais, t'as également c'est... toxicité et t'as également le plus le loup des bois, mais non, ça suffira même pas. Ça suffira. Donc ouais, vas-y, go ordre de tuer. Assure. Allez. On la joue safe, je ouais. le fais, je le, non, je le trade non, pas. Non, je pense pas que tu le fais, tu te laisses. Je lui laisse prendre le trade. Ok. Bon, ça va.
Après là j'avais pas beaucoup de possibilités de play on va dire. Enfin, des ours gros, requin. Non mais les gars, Chap, c'est un noob. Oui, non, je n'ai pas beaucoup de cartes. Il y a pas beaucoup de cartes sur le jeu vidéo Hearthstone. Donc on fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, bah c'est un chasseur pété. Donc, on fait. Alors, avec... est-ce que j'aurais pas un compagnon doublé d'un tranche-gueule crépitant? Tu pourrais tenter. Après, il y a peu de chances d'avoir ce que tu veux. J'ai quoi d'autre? Play Rhino, c'est pas off là, ici. Ce qui est bien, ouais, c'est que ça sera très fort au prochain tour. Compagnon tranche gueule, ça me semble ok. Tu peux le tenter. L'autre option ce serait l'axe, mais c'est un petit peu tendu de faire quelque chose d'incroyable avec. Parce que ouais, plus 3 au poison, c'est peut-être pas fou. Donc, ouais, vas-y, go. Allez, dommage, on aurait bien voulu le feu, bouclier divin, tout leur genre, mais vas-y, go, go le booster, c'est le protéger. Je lui mets +1/+1, non? Tu peux l'envisager, après +3 c'est chiant pour lui parce qu'il voit quand même le clean, ça veut dire que toutes tes bêtes que tu vas jouer au prochain tour sont boostées, donc moi j'aime bien. +3 parce tu, ouais, parce que tu pourrais faire un Rhino plus l'Axe ou autre. Donc, ah, bien vu. Allez. J'aime bien essayer de le protéger. Alors, dans tous les cas, au prochain tour, j'ai la savane et j'ai même Rexar. Aïe aïe, il a le loup des bois. Ouh, un nouveau nien. Oh là là, c'est chiant ça. C'est dégueulasse. Hein. C'est un peu chiant ça. On pourra pas tuer les rocs. Mais. La hyène, elle est relou. Après, si t'arrives à gérer la hyène, t'es pas trop mal pour la suite. Mais en plus, je peux la gérer pouvoir, là. Ouais. Regarde un peu. Qu'est-ce que c'est mal joué hein. Regarde un peu toutes les options que tu as avant de le jouer. T'as une belle option. T'as des options. T'as plusieurs options. J'ai ça, mais. Mais du coup, tu pourrais taper avec les Hocs et puis Rexar. Du coup, tu aurais une 2A contre une 4A. Ouais. T'as quoi d'autre? J'ai Rhino. Mm-hmm. Et Lynx. Sachant que tu pourrais du coup Lynx plus ça là et Rhino dans la 4-3. Attends, Lynx plus ça. Lynx il aurait 2 plus ouais, le Léoc, donc ouais, ça tuerait. Ouais. Et derrière, tu pourrais Rhino à 1 point de vie. Ça, c'est une autre option. Et tu as c'est aussi l'appel. Hein. Parce qu'en vrai, il a plus d'hyènes donc. Et l'idée, c'est que derrière les Rhinos, t'en as 2 et c'est un peu chaud à jouer là. Donc, ouais, tu peux l'envisager comme ça. Vas-y, hop. Donc, du coup. Très bien dans le bord. Non. T'as allé booster la hyène. Ok. J'ai bien assisté cette fois-ci. Ça. Ça et ça. Voilà. Là j'ai dû être vrai. Ouais, j'avoue que j'ai failli troller. Mais d'abord, c'était à ça. Est-ce qu'il va le tenter? C'était à ça le trolling là. Quoi? Non, j'ai pas faim. Il tryhard. Tryhard là, je suis concentré. Tryhard là, on a pas le temps pour ces conneries. Alors. Là je peux Rexar ou Savan. Ou même Rhino et Loup des Bois et le trade. Tu peux, après j'aimerais bien quand même garder le Rhino pour après. Moi j'aime bien envisager Savan, il a plus trop de bêtes en main, ça me paraît jouable. Allez. Allez à toi Savan. C'est un peu tricky entre guillemets, mais je pense que c'est ok de laisser Rhino avec le peu de cartes qu'il a. Il a pas fait l'appel du truc, donc j'ai envie de le tenter. C'est qu'il dit qu'il a une Savan aussi, mais bon, je pense que ça se tente. Surtout qu'Oliège a fait l'erreur il y a quelques jours. Non, c'est Felkane qui a fait cette erreur là sur Twitch, on l'a vu. Ah, Felkane, la hyène. Ah, il est concentré. Et il veut pas reconnaître. On va aller trouver le clip. Attends, on va trouver le clip après. Trouver le clip. Oh, what? Il tranche gueule. Ah, oh, oh là, il tire et tranche gueule. Pas de mauvaise blague. Pas de bouclier. Non. Ah, c'est un peu une mauvaise blague là, quand même. Just no way. Attends, parce que là en vrai, je peux faire. Oui, non, parce qu'il va. On va voir comment il va faire. On pourra envisager Rexar. Après, t'as une très belle combo à Loup des Bois, lâcher les chiens, ça devient intéressant. Mais t'es quand même pas si mal là. Ouais. Ouh. Je peux faire Loup des Bois, lâcher les chiens là. Tu pourras envisager la pelle aussi au passage. Attends, si je fais ça. Et que je fais ça. Non, c'est pas fou le. Enfin, après, oui, t'as le clean. Je vais tout. Ouais, mais t'aimes pas l'appel pour trouver un autre cas là? Genre le deuxième loup des bois ou autre? Attends. Si je fais l'appel, je peux avoir. Après, Rexar est bien. Je suis d'accord le Rexar, ok. Je suis d'accord que tu peux Rexar. Mais je dis que lâcher les chiens sera peut-être pas bien après. Moi j'aime bien te faire l'appel, lâcher les chiens ou trouver même une hyène. Moi je préfère l'appel vraiment. Parce que si tu trouves vraiment une hyène, tu te mets vraiment bien aussi. Allez, on tente le coup.
En vrai, la hyène, normalement, il faut qu'elle sorte au bout d'un moment quand même. Ah, c'est pas de peau là. Hein. Après, étrange gueule est pas mal. Fais tout lâcher les chiens. La question, c'est ce qu'on fait loup des bois et taupe ou est-ce qu'on fait tranche gueule? Oh, je fais loup des bois mille fois, non? Faut que vas-y, je trade. Vas-y, vas-y, go, vas-y, go. On fait ça, on fait ça, on fait ça et ça. Tu peux même mettre la taupe, je pense. Hein. Ouais, la taupe, en vrai, de toute façon, faut la sortir. Hein. C'est chiant si on lâche les chiens, mais c'est pas un drame, je pense. Le Rexar était ok, mais sur trouver la hyène, c'était vraiment trop bien. Non, il a mis déjà les deux lâchés. Non, les deux yens. Ah, lâché les chiens, apparemment. Oh, ça ah fait. Oui, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il a, qu'il a joué ici. Ok. Après, en vrai, là, ouais. Il va me full face, non? Ah non. Qu'est-ce que tu vois? Alors attends. Je peux. Tu peux. Je peux faire quoi là? Je peux. En vrai, faut que j'aurai avec ça, je pense. Tu penses pas? Pas spécialement. Je peux mettre Rhino. Ouais. Et ça. Et tu peux tenter déjà la toxicité sur la AA au passage. Même avant. Mais soit. Est-ce que je veux vraiment. Oui, tu veux toxi, je pense, ou 3 attaques. Ok. Allez, mon grand. Ah. Ah, c'est pas ce que je recherche. Tu veux. Pas les AA à cause du lâcher les chiens, je pense. Peut-être la provocation, non? Non. Je pense que tu prends plus A, plus A. Ok. Et tu vas envoyer la 3-2 et la 3 dans. Oh, oui, tu. Ouais. De toute façon, faut que je le claque tôt ou tard ce ouais, truc. Ouais, moi j'aime bien de virer les deux pour lâcher les chiens en face, tu vois. Genre, non, ah. Genre la A3 et la 3-2. Comme ça, si on lâche les chiens, c'est vraiment pas chiant. Ah, il est pas parti, hein, la A3. Oui, mais oui, en vrai. Ouais, comme ça. Allez hop. Et en vrai, si vous faites sur lâcher les chiens, j'ai un superbe Rexar. Ouais, mais de toute façon, sur lâcher les chiens, il fera des trades. Il a envie de tuer le Rhino là. C'est vrai qu'elle était, solide. Mais il est trop chiant avec son truc. Retigre. Ok. Ça fait beaucoup de dégâts. Compte tes dégâts. Compte tes dégâts, Chap. Je compte. 2. 3. Là, t'as possibilité de faire savane, lâcher les chiens à loup des bois par exemple. Attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas assez. Attends, 8, 9, 10. Compte, regarde, regarde. Tu peux, imagine, tu vas avoir deux chiens qui vont être boostés par loup des bois. Donc 4, plus 5, 6, 7, 7, plus 8, 9, plus 10, plus 16, 17, t'es one off. C'est ça? Ouais. Recompte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je compte 16 maintenant. 1, 2, non, 3, non, 4, non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Ouais, j'ai 17. En vrai, je vais mettre Rexar. De toute façon, ça me fait de l'armure et tout. Hein. La tête Rexar, c'était plus safe. Mais tu fais le repour avant. Alors, fais le repour avant. Tu fais Rexar. Et tu vas même mettre le tir à l'arc. Dans la 3-3. Et tu vas face avec le reste. Non, non, non! Quoi? Mais si! Ah merde, j'avais oublié! Putain! Quoi? Mais j'oublie tout le temps! Que ça fait 2 de dégâts! Qu'est-ce qu'il a fait? T'inquiète! T'inquiète! J'oublie tout le temps que ça fait 2 de dégâts! Non! Ça va le faire! Mais c'est toi, tu me forces jouer à la corde là. Mais t'as le temps quand t'as la corde, t'as largement le temps. Non. La corde, ça fait rien. T'as plein de temps. Il faut pas stresser avec la corde. C'est toi, tu. Rompman dans le chat. La corde, elle est cool. T'as le temps quand t'as la corde. Tu stresses avec la corde pour rien. Même quand la corde elle est au bout, t'as encore le temps. Genre vraiment. Bouclier divin. Ouais, ouais, je peux. Tu gères pas du tout la dynamique de la corde. Oula. Regarde, ils savent que moi je joue tout le temps la corde, ça se passe très bien. Bon, sauf tout à l'heure, mais c'est parce que vous m'avez été relou. Votre faute. Aïe. Tu penses que j'ai trouvé la game là ou pas? Non, ouais, de toute façon, dans tous les cas, il me l'aurait sorti. Non, tu vas la gagner, tu vas la gagner. Tu vas la gagner. Compte tes dégâts. Chap, compte tes dégâts. 1. T'as 9, quand même du temps. T'as 9 plus 3, t'as 12. Je crée une bête. 4, 8, 9, 10, 12, t'as 12, ouais. Je crée une bête. Fais une bête, ouais. Fais une bête. Prends le scarabée. Je pense. Ouais.
C'est compliqué, hein. Et ça, Prends le non? cuir-écaille, prends le cuir-écaille, ouais. Cuir-écaille. Ok. Tu peux la booster avec la frénésie en même, à la limite? Ouais, carrément. Habilement joué, ça. Et je fais Oh, ça. pourquoi t'as fait ça, Chap? Oui, tu fais ça, oui. Oh. Mais regarde, hop là, c'est gagné là-dessus. Sur ce play là. Et je face. Fais ce que tu veux. Non, Oui, vas-y, face. Vas-y, go. Hop là. Et j'ai encore de l'armure, mais c'est C'est Freewheel pas là. bien de mettre à aéroport retour après. C'était bien, c'est pas Drexar. Moi j'aimais bien l'idée, mais Chap a voulu partir sur Drexar. C'était pas déconnant s'il avait peur de mourir, mais je pense que c'était mieux effectivement Regarde, il a de deux ordres de tuer en main là. le mettre. Ah non, il a pas d'ordre de tuer en main, mais Ok. c'est Dans pas tous les grave. cas, t'es très bien là. Dans tous les cas, là je suis pas trop mal. Oh, mais c'est un idiot! Oh, le crétin! Oh, ouais, il a perdu. Hein. Bien joué, Chap. Il a perdu la partie. Hop là! Merci Bien beaucoup joué! à je ne sais pas qui. Dis-nous. Qui c'est? Qui est là? Débélise! Débélise, encore une fois. Il faut Oh que là tu là, mais fasses. on ne s'arrête plus de Allez, allez, gagner! rendis. Merci beaucoup, Rendis, Débélise, hein. pour le dos. Faut que tu te dépêches, hein, rendis. Objectif rendis. Ok, objectif 110. Faut qu'on joue plus vite. Faut qu'on joue. Ouais, mais c'est toi qui me fais jouer à la roupe là. Non, mais moi j'aime bien de discuter avec le chat et tout, tu vois, Ah, je suis un animateur avant tout. ouais, moi aussi. Je suis un lunari. Moi aussi.